Salut Vogue! C'est Louise Follin. Vous êtes dans ma chambre d'hôtel et on va se préparer pour le dîner du Vogue Fashion Festival. Mais d'abord, je dois faire un tout petit truc. Le massage prédinatoire, très très important. Pour rester en forme, je fais du pilates, du yoga, un peu de ballet. J'ai pas de routine beauté à proprement parler, je me lave le visage, je mets de la crème. Quand je suis un peu fatiguée, je me pince les joues ou alors je mets du froid sous les yeux. Par exemple, des sachets de thé très froid que je mets au frigo la veille, j'anticipe. En rouge à lèvres, mes préférés c'est la bouche rouge. En mascara, Dior. Le mascara, tu peux y aller. Hein. Le mascara, je mets à fond, surtout en bas. S'habiller, mais je sais pas encore quoi choisir, donc si vous pouvez m'aider. J'ai trois tenues en tête. D'abord, j'ai cette robe Miu Miu. Ou bien ce look Vuitton. Très cool. Et je pense cette robe Prada. Selon moi, la femme Vogue, c'est une femme forte, élégante, qui en fait pas trop non plus. Là, c'est le collier de Annelise Michelson. C'est trop trop beau. Parce que j'ai un talent caché. Je joue un peu de piano et je sais jouer Star Wars au piano. Robe Miu Miu, très girly, un peu poupée. Les trois essentiels mode, un jean, préférence taille haute, un beau pull en maille et une belle paire de boots noirs. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait la téléportation. J'irais à Bali, là, tout de suite. Un truc dont je me lasse pas, des pulls rayés. J'en ai mille, de toutes les couleurs. Moi, je m'inspire beaucoup des années 70 et j'aime bien avoir un style un peu garçon manqué parfois. Bon, ça se voit pas là, mais... Côté chaussures, j'aime bien les chaussures avec une grosse plateforme devant. J'ai choisi ça ce soir parce que je me suis dit que c'était l'occasion d'être un peu plus girly que d'habitude. C'est quand même très mignon, ça brille. Puis j'aime beaucoup les épaulettes. Bon, je suis super en retard. Merci, Vogue, de m'avoir aidé à choisir ma tenue. Salut, bisous.